www.geheimgeweld.nl. Het zou kunnen dat sommigen zich ook verschuilen achter privacy en geheimhoudingsplicht, maar dat in de praktijk blijkt dat dat helemaal niet nodig is. Ik vind dat allemaal in ieder geval geen reden om letterlijk mensen dood te laten gaan. De inspectie jeugdzorg krijgt ook vaak niet te horen dat er een kind is overleden terwijl er hulpverlening was. Er wordt daardoor veel te weinig onderzocht waar het is misgegaan. Als een kind overlijdt, dan is dat natuurlijk een hele ernstige zaak. En dan moet je kijken wat is daar gebeurd. Hoe heeft het zo kunnen komen en wat kunnen we daarvan leren? En ik ga ervan uit dat ieder weldenkend mens dat ook vindt. Daarom, zegt de Vries, moet ook dat verplicht worden gemeld bij de inspectie. Nu is het nog een vrijblijvende afspraak. Instellingen moeten niet zo bang zijn voor de inspectie, vindt ook Wouter Bos. In andere landen zien we dat gewoon openbaarmaking van inspectiegegevens juist het publieke debat bevordert. Ook de politiek dwingt er dan echt wat mee te doen. Mensen ook informeert over waar dingen goed gaan, waar dingen fout gaan. Daar ben ik dus erg voor. Dus openheid melden, ook vanuit de instellingen, zodat er wat aan gedaan kan worden? Ja, een einde aan de beslotenheid, een einde aan de bureaucratie, ook een einde aan de wachtlijsten en vooral een einde aan de vrijblijvendheid. Staatssecretaris Ros, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, wil eerst kijken of het vrijwillig melden van mishandeling het komend jaar toeneemt. Zij sluit niet uit dat het op termijn verplicht wordt gesteld. En de hoofdinspecteur jeugdzorg vindt dat langer wachten onverantwoord is. En meer daarover in het televisieprogramma Zembla vanavond om 9:15 op Nederland 3. De Eredivisie kan officieel beginnen met de verkoop van de voetbal. Die situatie thuis had. Ben ik anders geworden dan een ander? Heb ik me anders gevormd? En was ik duidelijk kennelijk anders toen ik daar die klas binnenkwam? In mijn herinnering was het na 1 week. Het kan best zijn dat het langer heeft geduurd, maar in mijn herinnering was het heel snel dat ik na school werd opgewacht en in elkaar geslagen ben. Het zijn ze in wisselende groeperingen is dat doorgegaan van mijn 6e tot ongeveer mijn 15e, denk ik. Ook in gradaties, af en aan, verschillende vormen. Brandmerken met een sigaret. Er zijn periodes geweest waar de leraar meedeed. Ik zou leraren met name willen oproepen om daar alert op te zijn. En met name de groet van de drongen te zijn, ook als je het niet ziet, ik weet zeker, in iedere groep gebeurt het. Aujourd'hui, on est là, on est le 17. C'est vrai que là, dans 8 semaines, je passe aux assises. Je ne sais pas pourquoi. Si, pour un viol. Bon, moi, je veux bien. Mais bon, si c'est une condamnation qu'ils veulent, s'ils veulent me penser qu'ils vont m'atteindre, à me déstabiliser, ils n'y arriveront pas. Parce que même si je suis condamné, je m'en contrefiche. Mais je me défendrai quand même. Et je dirai non. Je n'ai pas fait ça. D'accord. Parce qu'elle le sait que je n'ai pas fait ça. Bon, il faut... si vous voulez, on peut tout dire, on peut tout faire, on peut mentir, on peut raconter n'importe quoi, on peut changer 17 fois de version. Et la seule chose qu'il faut, c'est être cohérent et justifier le revirement. Moi, ça ne me pose aucune difficulté. Finalement, il faut qu'il soit charpenté. C'est-à-dire, pourquoi je suis passé aux aveux, pourquoi je reviens. Aujourd'hui, je suis revenu sur mes aveux, je nie farouchement les faits qui sont reprochés. Ok, voilà pourquoi. C'est ça notre travail.
Si on se contente de dire non, 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 on m'a forcé, j'ai mangé une vache qui rit en dormant 3 jours et on m'a dit que je serais à Nantes, en gros, je schématise, on m'a dit que je serais à Nantes le soir si je reconnaissais, vous allez vous en prendre, mais plein la figure. Vous risquez beaucoup de prison. Vous risquez beaucoup de prison. Là, je ne fais pas un effet d'annonce. Hein. Je prends mon code pénal, vous connaissez la peine. On a dit que j'ai une hésitation entre 20, 25, 30. Vous êtes en circonstance aggravante sur une mineure, personne n'ayant autorité. On est d'accord. Je vais juste vous dire que je vais vous donner exactement ce que vous encourez au terme du code. La peine maximale n'est pas prononcée, sauf cas exceptionnel, d'accord? Mais pour vous dire que vous bougez, c'est une obligation pour vous. Hein. Je vous le dis juste, comme ça. 15. 15 ans. Je dis 20, 25 ou 30. Hein. Vous risquez 20 ans de réclusion criminelle. Voilà, vous connaissez l'enjeu. Ça vous touche un peu ce que je dis? Non. Non? Risquez 20 ans, non? Non. Pourquoi? C'est pas normal que ça vous touche pas. Parce que je suis fatigué de ça, c'est tout. Ils vous mettent 20 ans. Non, mais attendez, vous jouez 20 ans. J'ai un casier qui est vierge. Vous aurez 60, vous aurez 60 ans, qu'est-ce que vous ferez? Je n'ai jamais été condamné. Je bosse depuis l'âge de 14 ans. Je n'ai jamais eu d'histoire. Et puis, du jour au lendemain, une branleuse vient me foutre dans les pattes un truc, parce qu'il y a certainement une vengeance là-dessous. Et je prends 20 ans de prison. Et en sortant, je dois dire, bon, ben voilà, j'ai purgé 20 ans, c'est bien, merci à tout le monde. Attendez, non, mais même Là, non, je réagis, là, c'est pas la peine. Attendez, là, vous m'avez pas compris. 20 ans, c'est ce que vous risquez, j'ai pas dit que vous allez prendre 20 ans. Non, si vous êtes reconnu coupable, je peux pas vous dire la peine que vous aurez, mais ça sera jamais 20 ans. Je vous le dis d'office. Oui, mais même si c'est pas 20 ans. Non, mais je vous dis, c'est pas 20 ans. Oui, mais même si c'est pas 20 ans, même si c'est peu... Je connais Madame Thomas Françoise et sa fille Stéphanie Thomas. Nous avons vécu ensemble de 82 à 86. Je pense que nous sommes restés ensemble 3 à 4 années. C'est moi qui avais la garde de Stéphanie le soir lorsque sa mère travaillait. En fait, les années communes que j'ai eues avec Françoise et sa fille Stéphanie étaient sereines, elles étaient calmes, il n'y avait pas d'histoire. Nous avons cessé de nous voir en 86 et moi qui ai pris la décision de partir. À cette époque, j'étais un peu trop jeune, je ne serais pas capable de vivre avec une femme plus âgée que moi. C'est cette raison qui m'a guidé. Ça quand fait... vous êtes séparés, en bon terme ou en mauvais terme? Ben, je pense pas que c'était... Enfin, moi, je suis parti et puis je suis pas revenu. Je suis retourné sur Nantes, c'est tout. Et genre, c'est « Salut, je te quitte », ça s'est mal passé ou elle a dit « Bon, bah, écoute, c'est comme ça, ça devait avoir une fin ». En gros, ça s'est bien ou elle a passé la séparation? J'en sais rien. Je peux pas savoir, parce que je n'ai jamais renoué de contact avec elle, moi. Ouais, mais quand vous partez pas du jour au lendemain en faisant votre valise, en disant si. Ciao? Si. Bah si. Du jour au lendemain? Oui. C'est vrai? Bah oui, je suis parti comme ça. Non, mais un jour, vous êtes parti? Oui, un jour, je suis parti. Mais la veille, vous lui avez dit demain, je pars, ou le jour même, non, vous lui avez dit parce que ciao, je me tiens? J'ai laissé mes affaires, elle les a encore récemment, ou elle les a achetées, mais mes affaires étaient encore là. Et il y a peut-être là la vraie rancœur, plutôt de nous parler de la jalousie. Il y a peut-être une vraie haine de que vous l'ayez laissée comme une malpropre. On quitte quelqu'un avec qui on vit 4 ans. Partir du jour au lendemain, c'est ce que vous me dites? Oui, mais peut-être qu'il y avait quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'il y avait un truc qui me... Vous êtes engueulé? Est-ce que je lui ai dit, tu me fais chier, j'en ai marre? Est-ce qu'il m'a dit, ouais, tu m'as trompé? Est-ce qu'il m'a dit, ouais, j'en ai marre? Est-ce que vous êtes séparés à cause de Stéphanie Thomas? Est-ce qu'elle a surpris quelque chose? Est-ce que... Elle a surpris quelque chose? Elle t'a dit, dehors, tu prends tes bottes et tu te tires? Ah non. C'est vous qui êtes parti? Ouais, c'est moi qui suis parti. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? On se souvient toujours pourquoi on quitte une femme. On sait pas très bien pourquoi on la rencontre, mais...
En ce qui concerne les accusations que Stéphanie a fait sur moi, je trouve cela surprenant. On est à la troisième page. L'interrogatoire va être fini dans quatre lignes. Je trouve cela surprenant. Oui. J'ai toujours fait le maximum avec elle. Stéphanie veut se venger. Peut-être le fait que je sois parti d'avoir quitté sa mère a suffi pour se venger. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais touché Stéphanie. Je ne vois rien d'autre à ajouter. Il est 12 heures. L'interrogatoire a duré 1h30. C'est Alain Capron qui prend votre déposition. Vous me dites que Stéphanie vous accuse pour une histoire de vengeance. Pourtant, vous m'avez déclaré que durant votre vie commune, il n'y a pas eu d'histoire entre vous, pas d'événement marquant qui puisse justifier de telles accusations. Pour quelle raison dirait-elle tout cela contre vous? Je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Avez-vous rejoint Stéphanie dans son lit alors que sa mère travaillait? Non, jamais. Avez-vous demandé à Stéphanie de vous masturber? N'importe quoi, non, jamais. Avez-vous demandé à Stéphanie de vous pratiquer des fellations, à savoir de vous sucer le sexe? Non, non en majuscule. Vous êtes-vous déjà frotté votre sexe contre le sien? Non. Il vous donne lecture des déclarations de Stéphanie Thomas. Vous venez d'entendre les accusations portées contre vous, qu'avez-vous à répondre? Je suis choqué par ça et je suis étonné. Je ne sais pas quoi dire. Je dis simplement que c'est faux. Je n'ai jamais fait ça. Vous êtes ferme. Si Stéphanie mentait, comme vous le dites, pourquoi n'a-t-elle pas rajouté en disant par exemple que vous l'aviez pénétré avec votre sexe dans son vagin ou dans son anus? Genre, pourquoi se limite à une fellation? Je ne sais pas. Pensez-vous que si Stéphanie mentait, elle donnerait autant de détails sur ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien. Stéphanie se rappelle même d'un jour où, au cours d'une fellation, vous aviez introduit dans sa bouche, par mégarde, un coin du t-shirt que vous portiez. Pensez-vous qu'un tel détail peut s'inventer? Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas la question que je vous pose, c'est la réponse que je vous donne. Le ton est dur. Non mais là, c'est perceptible. Hein. Déjà, j'avais jamais considéré avoir été violée, parce que pour moi le viol, c'était un viol classique, c'est-à-dire pénétration vaginale, c'est ça un viol, c'est rien d'autre. Et viol aussi, ça veut dire que t'es battue, il y a de la violence dedans. Donc j'avais jamais pensé que ça pouvait être ça. Et en fait, quand j'ai été interrogée par Monsieur Capron à la première déposition, je lui avais dit, vous pensez donc qu'il y a des chances qu'il y ait des suites qui soient données? Et il m'avait dit, oui, il me fait, mais c'est un viol, il me fait, c'est grave, et donc c'est évident qu'il va y avoir des suites, c'est certain. Donc le seul mot que je pouvais dire et que je disais, c'est, j'ai été touchée. Monsieur Capron, j'ai été capable de lui dire uniquement, j'ai été touchée. Et je lui ai rien dit d'autre. Et c'est de là, c'est lui qui a posé les questions, au fur et à mesure, qui a creusé les choses et qui en est arrivé à cette déduction-là. Mais je lui ai dit, et moi d'autant plus, je veux dire, je savais pas trop ce que c'était. Puis dans ma tête, c'était en plus, ça se trouve, c'est rien. Ce qui s'est passé, peut-être c'est juste moi qui le vis pas bien, mais peut-être que c'est pas grand-chose finalement, en fait. C'est quand je suis sortie de la brigade des mineurs, je m'en rappelle, je me suis dit trois fois dans ma tête, trois fois de suite, je me suis dit, j'ai été violée. J'ai répété ça, j'ai été violée et encaisser le truc et puis se dire qu'il faut le porter et se dire que ça fait partie de son histoire. Et puis l'accepter. J'ai regardé un petit peu les émissions là, sur les viols. Là. La plupart des gens qui ont été violés, je peux vous dire qu'ils ont des séquelles sérieuses. Hein. C'est des gens qui ont mal travaillé à l'école, c'est des gens qui se refoulent dans un coin, qui se refoulaient dans un coin de la cour, qui ne jouaient pas avec les autres. C'est des enfants qui... Mais elle n'a rien de tout ça, elle. Non. Marrant, ça. Rien de tout ça. Je dirais pas marrant, mais je dirais voilà, que c'est particulier. Oui. Ou alors elle aime jouer, alors. Moi, je joue un jeu de vachement dangereux, là, dans ces cas-là, parce que
Je la caresse, je la porte à faire des fellations. Je le fais de plus en plus. Mais je la pénètre jamais. Non. Et je suis un violeur. Et je sais qu'elle peut le dire à tout moment. Il faut être fou pour faire des trucs comme ça. Non, mais je joue un jeu dangereux. Ah, c'est un jeu plus que dangereux, oui. Ah oui. Ouais. Vous savez quelle est l'arme absolue qu'on va retourner contre vous? Non, je sais pas. C'est vrai. Vous savez pas? Non. Vous êtes parti brusquement? Je suis parti brusquement. Vous avez quitté brusquement, Madame Thomas? Oui. Ah oui, ah oui, d'accord. Vous êtes parti parce que vous saviez que elle allait parler ou que ça pouvait plus durer. C'est pour ça que vous êtes parti. C'est pas à cause d'une autre, pas parce que vous en avez marre, Madame Thomas. C'est ce qu'on va nous dire en face, je le sais. Je vous le dis juste. Enfin, j'ai tous les torts et puis elle a raison, quoi. C'est pas tellement ça. C'est que nous, on a d'autres explications. C'est-à-dire que la difficulté, Laurent Sureau, c'est que votre dossier, il peut être lu dans un sens ou dans un autre. Mais sachez que l'on soutiendra contre vous que si vous êtes parti brusquement de cette relation qui durait depuis un temps certain, c'est que vous avez pris conscience que ça ne pouvait plus durer, que vous aviez, comment dit Capron, dérapé, et que ça allait vous revenir. Donc vous êtes parti. Il va falloir qu'on travaille ce point-là, qu'on réplique. De toute manière, j'irai jusqu'au bout. Puis j'en ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent penser. Et j'irai jusqu'au bout. Je le sais, vous le dites depuis 2 ans. Hein? J'irai jusqu'au bout. En revanche, il y a une chose qui va être abordée par la juridiction, c'est de dire, c'est peut-être pas facile de reconnaître quelque chose de cette nature. De reconnaître des faits de cette nature. Ils vont dire, imaginez qu'on vienne vous chercher sur ce terrain-là, attendez, Laurent Sureau, personne ne vous dit que c'est facile de reconnaître ces faits-là. Personne ne vous dit que c'est facile, 17 ans, 16 ans après les faits, de voir ressurgir le passé. On peut très bien vous interroger de manière un peu plus insidieuse. C'est-à-dire, l'avocat général ou la présidente, elle va dire, mais attendez, monsieur Sureau, on vous écoute. C'est facile pour personne. Alors évidemment, c'est pas facile pour la partie civile qui dénonce ces accusations et qui, pour elle, ont eu une répercussion. OK. Oublions 30 secondes la partie civile. Je simule l'interrogatoire. Monsieur Sureau, moi, je vais vous dire ma position. Je pense que c'est très difficile de reconnaître des faits vieux de 16 ans qui ressurgissent en 2000 alors qu'ils auraient été commis en 84. C'est pas facile du tout, Sureau. Non, non, ce qui est difficile, c'est de passer 3 jours au dépôt, d'être sur les nerfs, d'être complètement dépressif, quand on vous met un doigt dans le cul au dépôt, comme moi j'ai eu, parce qu'on passe tous à poil, ils ont tous des gants, ils vous palpent tous les couilles et tout, ils vous mettent un doigt dans le derrière. Vous appelez ça comment? C'est humain, ça? Non. Non, bah c'est pas humain. C'est les mesures de fouille. Ah bah oui, mais enfin, vous croyez que j'ai envie de repasser ça, moi, tous les soirs? Non. Ah non, mais non, mais voilà, non, mais non, mais moi je préfère encore pouvoir sortir et arriver à me défendre, parce que tant que je suis dedans, je ne peux rien faire. Je suis menotté, je suis enfermé dans un bureau ou dans une cage, je n'ai aucun moyen de défense. Et l'autre dehors, elle a tous les droits, elle a toutes les défenses possibles. Moi je n'ai rien, parce que je ne peux pas me défendre. Là, vous êtes là pendant la garde à vue? Pendant la garde à vue, je ne peux pas me défendre, je n'ai rien du tout. Vous êtes isolé. Vous voyez personne? Non, je n'ai qu'une solution, moi, au bout de ces 3 jours. J'ai qu'une solution, c'est quand je passais devant le juge, oui, 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 et je sors. Dans le dépôt, on a l'impression que c'est un troupeau de chevaux ou de chiens qui arrivent. On vous bouscule, on vous colle dans une cage où on est 15 ou 20 dedans. On va être une quinzaine. On vient vous chercher à un moment donné, on vous emmène dans une autre pièce, on est tous ensemble, tout le monde à poil. Voilà. On vous dit tout le monde à poil, on ne dit pas déshabillez-vous, il n'y a aucune politesse. C'est...
Excusez-moi. Essayez de continuer, monsieur Sureau. Il faut évacuer le problème. On va pas en parler sans s'étendre, ça devient un peu difficile. Ouais, mais bref, moi. Mais je sais bien, je sais bien. Parce que l'utilité d'en parler. J'ai marqué des choses, mais il n'y a pas la moitié des choses que vous pouvez comprendre. Il faut être dedans pour comprendre comment on vous parle, comment on vous traite, comment vous n'êtes plus rien en l'espace de 3 jours. Vous demandez même si vous existez encore à l'extérieur. Moi, je me suis demandé à un moment donné si j'allais sortir de là-dedans et si on savait que j'étais dans ce dépôt et si quelqu'un s'inquiétait de moi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Mais je veux que vous sachiez un truc. Ça me mine beaucoup, ça. Ça me mine énormément. Mais je vous le dis, maître. Je l'ai pas fait. Je l'ai dit. On m'a dicté des choses, mais je n'ai pas fait ça. Je veux sortir de ça. Parce que je vais peut-être sortir. Il suffit, Sureau, de se battre. Oui, non, mais je vais me battre, mais. Après, moi, même si je sors de ça, je vais avoir du mal encore à me. Je suis peut-être un homme, mais je vais avoir du mal à sortir de ça. Parce que j'arrive déjà pas à sortir de ma garde à vue. J'arrive pas à y sortir. J'en parle pas à Pierre, parce que je veux pas l'inquiéter. Mais j'y pense, il y a des nuits, j'y ai pensé il y a des nuits. Je me retrouve quand je suis dans la chambre, dans le noir, et quand j'étais dans cette espèce de cellule, dans le noir, là, sur de la pierre, il y a des nuits, je me réveille, j'ai l'impression que quand je touche, comme la dernière fois, j'ai senti le radiateur, je pensais que j'étais encore là-dedans. Tout ça doit vous donner une motivation intense sur eau pour vous battre, parce que cette cellule dans le noir, froide et tout, c'est celle qui est au bout du chemin si on perd. Voilà. Je vous le dis de manière crue, je vous le dis de manière franche, c'est ça. J'aurais aimé avoir la liste des procès en assises, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de l'année. Quelle cour d'assises? Les grandes ou les petites assises? Qu'importe, ça dépend plus de la qualification, en fait. Je vous laisse les consulter, si vous voulez. Je veux bien, ouais. Voilà, regardez. Je vous remercie. Vous avez la liste, là. D'accord. Assassinat, je... Un peu dur, je pense. Il y a le président qui est au milieu, et à côté, les deux personnes, c'est des magistrats, oui. Et ça va quoi? Des assesseurs. C'est la composition de la cour professionnelle. Il y a un président, 2 assesseurs, c'est 2 magistrats professionnels. Et après, ils prennent le délibéré avec les jurés. C'est moins impressionnant que ce que j'imaginais, en fait. Des petites assises, ouais. Ouais. J'étais rassurée. Et moi, ça va être là aussi, puisque c'est section 4. Hier, je vous ai menti, j'ai peur de tout perdre. Hier, je n'ai pas voulu vous dire la vérité, car j'avais peur des conséquences. Bah oui, il y a je ça, reconnais je... les faits, mais en partie. Hier, vous m'avez lu les déclarations de Stéphanie Thomas. Tout ce qu'elle dit est vrai. Point. À ce stade de l'audition, monsieur Sureau, il nous demande à se rendre aux toilettes expressément afin de vomir. 30 secondes. J'arrive du dépôt déjà. Non, mais attends. C'est gastrique. La gerbe, c'est parce que vous n'avez rien bouffé? Ah oui, non, mais même encore, ça m'arrive encore maintenant. Si je ne mange pas pendant une journée, vous êtes tranquille, je vomis. Hein. Ouais, mais sauf qu'à ce moment-là, à ce moment-là, vous vomissez et la gerbe, elle vient. Vous devriez être fou de joie.
Il vous a bourré le mou pendant 24 heures en vous disant « Allez, vas-y, tu reconnais, de toute façon, elle veut pas t'envoyer en tôle, elle veut juste que tu la reconnaisses en qualité de victime, tu vas sortir, tu vas retrouver toute ta vie, les faits sont anciens. » Il manquait 24 heures, vous entendez ce discours. Le lendemain matin, vous avez passé la nuit au dépôt, vous avez vu les blattes, les odeurs et tout, c'est dégueulasse, bon, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes conditionné, vous voulez vous barrer. Vous reconnaissez, bon, quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous reconnaissez quelque chose que vous n'avez pas fait. Oui. Bon. C'est pas facile, mais vous savez que c'est la liberté à la clé. Mais qu'est-ce qui vous donne envie de gerber? Physiquement, ces réactions ne sont pas possibles dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et dans le marché qu'on vous propose. Il y a un flic qui vous dit, reconnais et t'es dehors, vous allez le suivre parce que vous en avez marre, vous voulez rentrer chez vous. Vous allez dire, bon, ok, vas-y, prends ton PV, je te le dis. Ok, je l'ai fait. Et après, bon, maintenant, c'est où la porte de sortie? Nécessairement en face de vous, qu'est-ce qu'on va vous dire? Attendez, Sureau, vous reconnaissez quelque chose que vous n'avez pas fait? Vous voulez juste sortir. Qu'est-ce que vous avez besoin de rajouter dans les vomissements et les pleurs? Moi, je vais vous dire, monsieur Sureau, je suis la présidente, vos pleurs et vos vomissements, c'est parce que, eh ben, ça y est, vous savez que vous avez franchi un pas qui était très physiquement franchissable pour vous. Vous avez reconnu quelque chose que vous avez le passé. Bon, voilà, 15 ans après, ça revient et ça fait mal. On met de côté 30 secondes, Stéphanie Thomas. Sureau, mais ça fait mal. Ça fait mal de reconnaître qu'on a eu un comportement déplacé, qui est qualifié par le code pénal de viol et d'agression sexuelle à l'encontre d'une jeune fille. Et vous pensiez pas que ça reviendrait. Voilà pourquoi ça vous fait gerber, voilà pourquoi ça vous fait pleurer. C'est comme ça qu'on va vous parler au procès d'assises. C'est comme ça. C'est comme ça que l'avocat général va aller vous chercher. C'est comme ça que la partie va venir vous chercher. Parce que vous n'avez... C'est impossible à assumer. Techniquement, on peut vous donner aucun jour de prison. Ferme. On peut vous donner un sursis lourd. On peut vous acquitter aussi. Mais on peut vous donner un sursis lourd. On peut aussi cogner et vous mettre beaucoup, beaucoup de prison ferme. On ne va pas anticiper sur la peine, mais on peut très bien vous dire, pour l'instant, on est sur une question de principe. On a une amplitude très large. Vous savez qu'on peut aller au minimum. Vous n'allez pas faire de prison. Les faits sont très anciens. Et le maximum. Bon, c'est dans votre intérêt, monsieur Sureau, moi je vous le dis. C'est dans votre intérêt. Je dis pas de réfléchir à dire oui, je dis pas du tout ça. Non, non, bah, je dis, vous préparez, non mais, je préfère vous le dire, vous préparez à cette problématique qui va être très sérieuse. Je suis préparé à ça, de toute façon, j'ai même déjà préparé pour le bar. Vous inquiétez pas, ils peuvent me condamner, je n'avouerai jamais une chose que je n'ai pas fait, déjà. Je n'ai pas l'intention de l'avouer que j'ai fait ça, puisque je ne l'ai pas fait. Maintenant, mon problème était de préparer le bar. Le bar est préparé. Pour si je suis condamné. Donc, de toute façon... Et alors? Eh ben, je n'y reste, je ne vais pas... Même leurs belles paroles ne me feront pas dire... Même s'ils me disent, on vous mettra du sursis. Non, je ne m'en fiche, je ne veux pas de sursis. Je veux que... Je n'ai pas fait ça, c'est tout. Vous me condamnez pour une chose que je n'ai pas fait, mais je n'irai pas, Stéphanie Thomas, je te demande pardon. Non, Stéphanie Thomas, t'es une grosse menteuse, et c'est terminé. Stéphanie Thomas, t'es une? T'es une grosse menteuse. C'est une grosse menteuse. Oui, c'est une grosse menteuse. Très grosse menteuse. Oui, très grosse menteuse, oui. Même s'il faut le dire deux ou trois fois, je le dirai. Non, mais pas deux ou trois fois. À la fin de chaque phrase. Oui. J'attends pas du procès qu'on me dise, tiens, il prend 10 ans. Je m'en fiche de ça. Forcément, ce que j'attends, c'est que lui dise la vérité. Et pas que des gens que je ne connais pas, qui vont écouter, disent « il est coupable ». Je m'en fiche que ce soit eux qui le disent. Bah, c'est bien, mais concrètement, pour moi, c'est pas ça l'important. Donc ça me semble évident, enfin... Dans cette démarche, forcément, c'est ça que j'attends. Donc, c'est... Si c'est pas... Enfin, s'il n'y a rien de son côté, c'est... Je me dis, c'est encore à moi de faire un travail là-dessus, de me triturer le cerveau pour me dire...
Alors, si t'as, si t'as pas ça au procès, après, comment t'envisages les choses? Comment tu vas anticiper le truc, maintenant? C'est encore à moi de... Ouais, ça, c'est pas... Enfin, non, je... Je peux pas vous mentir, hein, vous dire qu'on a... qu'on obtiendra des aveux de sa part. Je peux pas vous le dire. J'ai pas le droit. Travailler, mais... Là, je suis fatiguée, j'en ai marre. C'est quand même dans votre intérêt de pas attendre trop de lui non plus, quoi. C'est quand même quelqu'un qui non, vous a fait déjà du mal. Et vous pouvez pas non plus... C'est normal que j'attende ça. Enfin, ça, je fais pas... ça me semble logique. Je comprends pas qu'il soit abruti à ce point-là, putain. Je comprends pas qu'il réfléchisse pas. Je vois pas pourquoi il a une tête. C'est pour pas avoir un cerveau qui marche dedans. Il veut sauver sa peau. Il veut sauver sa peau, c'est tout. Je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter là. Non, mais là, je suis fatiguée, je suis énervée, je suis tout, là. Je suis tendue, ouais. Oui. Ça se comprend. Non, il y a trop de choses, je comprends pas. Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt d'aller jusque-là si c'est pour pas entendre. Le 20 juin à 11h35, il y a une confrontation organisée par Capron. Est-ce que vous en souvenez de cette confrontation en garde à vue? Ben ouais, Capron vient me chercher dans la cellule. Je me souviens de tout ce qu'il me dit aussi, donc tout le long qu'on marche, qu'elle est déjà dans le bureau et que... il faut que... ben, il faut que j'aille mollo, il faut que je lui dise et que ce soir, je suis dehors. Quoi. T'as qu'à tout avouer, de toute façon, t'as qu'à... dire que tu regrettes, que tu me demandes pardon, et puis... Vu les déclarations contradictoires de Stéphanie Thomas et de Laurent Sureau, les mettons en présence, afin d'effectuer une confrontation. Question, mademoiselle Thomas, maintenez-vous vos déclarations? Oui. Mademoiselle Thomas, pouvez-vous nous redire devant Sureau ce que vous lui reprochez? Il a commencé par me toucher, par se frotter contre moi, il a été tout doucement, il a été assez malin pour que les choses se fassent progressivement. Après les caresses, cela a été les masturbations que je devais lui faire. Il a commencé par me mettre ma main sur son sexe pour me montrer ce qu'il fallait que je fasse. Après sa main, il m'a montré le mouvement qu'il fallait faire pour que je puisse le masturber. Par la suite, il a eu tout d'abord des tentatives de fellation, c'est-à-dire qu'il me mettait la tête à hauteur de son sexe, mais voyant que je ne me laissais pas vraiment faire, il le laissait tomber. Il n'a réussi à me mettre le sexe dans sa bouche qu'une seule fois. Il ne m'a rien dit, il ne m'a jamais parlé, il ne m'a jamais rien dit. Question. Monsieur Sureau, vous venez d'entendre mademoiselle Thomas, qu'avez-vous à répondre? Déjà, je veux lui demander pardon. Je suis désolé. Tout ce qu'elle dit est vrai. Monsieur Sureau, vous êtes-vous fait faire des fellations par Stéphanie? Réponse. J'ai essayé de mettre mon sexe dans sa bouche une seule fois. Je ne pense pas avoir réussi. Cela s'est passé dans sa chambre, dans son lit. On était allongés sur le côté. J'ai baissé Stéphanie pour la mettre à hauteur de mon sexe. Je n'ai souvenir que d'une seule fois. Mentionnons qu'à ce stade de la confrontation, l'intéressé, donc vous, éclate en sanglots et nous dit « Oui, il y a eu d'autres tentatives. » Pas beaucoup, je ne sais plus combien. Il y en a eu dans la chambre et aussi sur le canapé du salon. Stéphanie dit la vérité. Intervention de Stéphanie, oui, c'est bien ça. Il m'a gâché 15 ans de ma vie, il m'a volé l'innocence de l'enfant. Dans ma vie amoureuse, j'ai toujours un blocage à cause de ça. C'est dur à entendre, mais je suis sûr que c'est plus dur quand on l'a subi. J'espère qu'il est dans cet état-là à cause de ce qu'il m'a fait et non pas à cause de ce qu'il risque. Vous avez là un des enjeux du débat. Il sait que je ne mens pas. Je suis certaine qu'il se rappelle de tout.
À l'époque, il avait déjà conscience de ce qu'il faisait n'était pas bien. Moi, je ne risque pas d'oublier et je n'oublierai jamais. Sureau, en pleurs, répond « J'ai honte, j'ai honte. Je te demande pardon, Stéphanie. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolé, je m'en veux énormément. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Je regrette vraiment de t'avoir fait du mal. Tu as eu raison de le dire, c'est un poids. Moi, je n'aurais jamais eu le courage de le faire. » La confrontation, elle est faite par Capron. Mais c'est cette espèce d'enfoiré de mec, là. C'est à lui que j'en veux. C'est lui qui... Et qui me dit, si tu veux t'en sortir, il faut absolument que tu demandes pardon, que tu regrettes. Il faut absolument. Et là, j'en viens à me dire, mais qu'il prenne le maximum. Bien fait pour sa gueule. C'est, j'en viens vraiment, là, arriver à me dire... J'en étais même à me dire, il prend que 2 ans, c'est pas grave, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Il prend pas beaucoup, du moment, bon, qu'il prenne un peu quand même. Mais je m'en fiche, je lui souhaite pas, je lui souhaitais pas. Mais là, plus ça arrive et je me dis, il continue comme ça, et il m'énerve. Et je me dis, mais qu'il se prenne le maximum, ce con. Et qu'il y reste dans son trou de... dans son trou à rats et... Il y a que là qu'il sera bien, et j'espère qu'il sera bien maltraité là-bas. Et je lui souhaite franchement. Je croirai en Dieu, ben je ferai une prière pour ça. Voilà, c'est dit. Ah, c'est humain. Bah, non, oui, parce que je me dis quand même... Je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts quand même pour moins me remettre en question et plus avoir tous ces sentiments, je trouve, pas bien. Qui étaient pas bien pour moi, et puis je trouve que c'est pas bien d'avoir des sentiments de haine par rapport aux gens, et... Ça résout rien. Non. Puis c'est quelque chose, enfin, moi je le vivais mal. C'est sûr que si ce que vous lui souhaitez, c'est la mesure de votre souffrance, mais est-ce que c'est ça la solution? Non, c'est pas la solution, mais je me dis quelque part, j'ai un fond super sympa. La dernière fois, je regardais un reportage sur les mineurs en prison. Je vois un peu la prison. Et ben j'ai culpabilisé de me dire, le pauvre, je le mets là. Moi, j'ai culpabilisé de ça. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es con. Parce que lui, pas un seul instant, il va culpabiliser de quoi que ce soit. Là, je me place du côté de Stéphanie Thomas. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Tu me nies une deuxième fois. Moi, tu comprends pas, j'ai besoin de me reconstruire. Tu as commis ça sur moi. Je veux que tu reconnaisses que tu as abusé de moi. J'en ai besoin pour repartir de l'avant. T'es un salaud si tu dis que t'as rien fait, alors que tu le sais, regarde-moi droit dans les yeux, tu l'as fait, j'étais une gamine innocente, moi, ça m'a bousillé de l'intérieur, je veux reconstruire ma vie, j'ai juste besoin que tu dises oui, je l'ai fait, et elle va même peut-être vous dire, je m'en fous de la sanction. Je veux juste une reconnaissance de culpabilité. La sanction, je veux pas que t'ailles en taule pendant 5, 10, 20 ans. Pas mon problème. Et c'est pas son problème, d'ailleurs. Mais, et vous le savez, elle l'a dit au magistrat instructeur, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il me nie, du verbe nier, une seconde fois. Ça me bousille de savoir qu'il veut pas reconnaître les faits qu'il a dans un temps reconnus, mais surtout, du côté de Stéphanie Thomas, des faits qu'elle dit avoir vécu. Ben non, je regrette, je ne vais pas m'amuser à lui faire plaisir, à cette demoiselle, de lui dire que j'ai fait ça pour qu'elle ait sa vengeance. Elle a une vengeance, c'est tout. Et je ne dirai pas que j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Non. Je préfère encore qu'on m'enferme que je dise que j'ai fait ça. Non, je regrette infiniment. Je préfère encore affronter la prison, franchement. Même si on me donnait à choisir, là, vous sortez... là, ce soir, et vous dites que vous l'avez fait, sinon on vous colle 5 ans au trou. Ou 10. Ou 10. Ou 10. Ou 10, et bien ils me colleront 10 ans au trou. 5 ans, quand je dis le chiffre 5 ans, je m'engage pas sur 5 ans s'ils décident de vous condamner et de vous envoyer au ballon, hein, Sureau, attention. Vous risquez plus, hein. Oui. On vous propose cette alternative. Sureau, reconnaissez et vous sortez. Non. Eh, Sureau, vous pouvez le faire. Non. Mais si. Non, je me suis fait... Vous l'avez déjà fait devant Capron, pourquoi vous n'avez pas le faire devant la cour d'assises? Parce que Capron... La présidente veut dire, mais attendez, Sureau. Parce que Capron... Vous l'avez fait en garde à vue, Capron... Pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? Parce que Capron, c'est une belle ordure, c'est tout. Il m'a piégé. Je m'engage, monsieur Sureau, à vous laisser en liberté, reconnaissez les faits. Non.
Vous reconnaissez pas, vous partez 10 ans au ballon. Mais pourquoi je vais reconnaître ça, bordel? Parce que monsieur Sureau, il n'y a aucune raison pour que Stéphanie Thomas profère de telles accusations, les porte pendant plus de 2 ans, s'il n'y a pas un peu de vrai. Mais parce qu'elle s'est avancée, puis là maintenant, si elle retire. Si demain elle dit non, c'est faux, il m'a jamais fait elle ça. Elle dit je maintiens mes accusations. Ben moi je maintiens que j'ai la mienne, comme quoi je ne l'ai pas fait. Comme ça. Pourquoi vous avez attendu 24 ans pour porter plainte? Ça risque d'être évoqué, ça. Ouais. Les raisons pour lesquelles vous avez porté plainte à seulement à l'âge de 24 ans. Déjà. Ça peut être une première question. C'est que les faits, moi, ils me sont revenus à... J'avais 16 ans. Je crois que c'était vers 16-17 ans, je sais plus. 16-17 ans parce que je sais que c'était au début de ma relation avec Seb. Donc déjà, les faits, je m'en rappelais pas avant cet âge-là. Je l'avais carrément oublié. Les faits me sont venus, puis après, j'ai essayé de les oublier encore. Pendant des années, je me suis dit, si j'ai réussi à oublier une fois, ça va repartir comme c'est venu, en fait. Sauf qu'après, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis j'avais des idées qui me traversaient l'esprit et qui n'étaient pas bonnes, quoi. Donc puis je me disais, je m'en sortirais jamais si... Enfin, fallait que je fasse quelque chose. Donc... puis comme j'en arrivais à des idées de vouloir le tuer parfois, pour me dire au moins il est plus sur la planète et il pourra pas recommencer. Faut que je me dise non, je peux pas en arriver. Enfin, c'est extrême après. Donc j'en arrivais à des solutions extrêmes dans ma tête. Donc je me suis dit tant pis, non, faut en passer. Le plus intelligent, c'est de passer par cette voie-là, même si c'est dur, mais c'est plus intelligent. Que vous y ayez pensé, ça me paraît plutôt oui, simple. Mais c'est normal très que vous sincèrement, ayez je lui souhaite des qu'il soit condamné. Ah bah ça, c'est évident. Si... Mais ouais, c'est... parce que c'est pour lui, c'est la meilleure solution. Parce que je sais que, enfin, j'en suis quasi. Je sais que je pèterai un plomb s'il est pas condamné. Et qu'après, c'est je m'en fous. Je m'en fous. Après, c'est moi qui vais en tôle, c'est pas grave. Mais hors de question qu'il vive sa vie. Moi, il m'a bousillé la mienne, hors de question qu'il vive sa vie tranquille et qu'il ait juste vécu 2 ans sous contrôle judiciaire à être un peu pas trop bien. Pourquoi je serais enfermé quelque part alors que je n'ai rien fait? On m'a piégé, on m'a bien préparé tout ça, on m'a bien tout ficelé, hein, et puis voilà, aujourd'hui, je suis là. Vous n'avez rien fait, alors expliquez-moi pourquoi en 83-84, c'est pas possible que vous le fassiez. Parlez-moi de cette période-là. Bah, allez-y, pourquoi je vous écoute. Mais pourquoi je peux pas le faire? Parce que déjà, c'est une enfant qui déjà n'a pas de père et puis qui m'appelle à moitié papa. Déjà, ça me gêne à l'époque. Hein, donc ça m'embête parce que... Ça me donne... Là, pour l'instant, j'ai pas de munitions pour vous dire que vous avez pas pu faire ça. Vous me dites, bah, je peux pas accepter d'aller en prison parce que j'ai pas fait ça. Pourquoi vous l'avez pas fait? Pourquoi c'est impossible que vous l'ayez fait? Hormis le fait de l'affirmer, je n'ai rien fait. Mais parce que je sais pas, dans mon enfance... Parce que elle, qu'est-ce qu'elle vient de dire? J'ai un blocage, ses petits amis viennent dire. Oui, c'est vrai qu'elle a un blocage sexuel. Alors, elle fait des tas de réactions psychologiques et physiques chez elle. Vous, vous dites, je n'ai rien fait en l'état du dossier. Donnez-moi des munitions pour démontrer, pour tenter de démontrer que c'est impossible. Bah, attendez, quand vous regardez les photos que je suis au bord de la mer avec elle, vous voyez bien que je suis quelqu'un qui s'occupe d'une enfant comme un père, mais pas comme quelqu'un qui a des yeux pour violer cette gamine, quand même. Je suis là à m'amuser avec elle, je sais pas, je... Même quand on est à l'appartement, je m'amuse avec elle, mais je ne m'amuse pas à des jeux pédophiles ou des choses comme ça, attendez. Pourquoi?
Bah parce que j'ai eu des frères et sœurs, j'ai perdu mon père, je me suis occupé de mes frères et sœurs, j'ai jamais eu de geste de déplacer sur ma petite sœur ou sur ma grande sœur ou mon frère ou mon autre petit frère. Je m'en suis toujours occupé, j'ai joué avec eux, on n'a jamais eu des jeux de... On n'a jamais pensé à des jeux de... déplacés. Sexuellement, à cette époque-là, il y a peut-être un truc bizarre avec Stéphanie. Peut-être qu'elle vous attire, peut-être que vous voyez, je sais pas, sa mère en plus jeune. Bon, bah, attendez, à quel âge? Vous êtes insatisfait sexuellement avec Fanny? Bah non. Vous faites l'amour souvent? Je sais pas, non, je pense pas, non, on fait l'amour normalement, quoi, comme... Vous avez pas de manque? Non. Bon. Bah non. Et vous avez jamais été attiré par les jeunes enfants? Non, jamais, non, je regrette, non. Oui, mais pendant que la mère travaille, vous êtes dans un appartement, avoir regardé le film, la petite, elle est sympa, elle est très proche de vous, elle vous appelle papa, vous avez des moments privilégiés avec l'enfant, est-ce qu'à un moment donné, peut-être que... Non. Je vous pose la question, elle va vous être posée. Suro, vous avez une petite déviance à ce moment-là. Dans ces cas-là, j'ai eu de déviance avec mes frères et sœurs aussi, dans ces cas-là, alors. Parce que... Peut-être que c'est juste Stéphanie Thomas qui provoque chez vous une pulsion d'avoir envie de vous frotter contre elle. Non, pas du tout. Pourquoi? Bah parce que, je sais pas, moi, je sais pas comme ça, je sais pas... Les enfants ne m'ont jamais attiré, je regrette. Un acte sexuel avec une personne de mon âge, ou même plus âgée, oui, mais pas avec une gamine, mais pourquoi? Pourquoi elle dit tout ça sur vous? Cette question-là n'a pas fini de se la poser. Je veux dire, vous êtes condamné le 16 décembre. Vous êtes condamné. Vous, moi, Josiane, vos proches, vous clamez votre innocence, c'est pas vous. Pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi? Trouvez-moi une réponse. Cherchez. Trouvez-moi une réponse, là. On va la trouver ensemble. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi Stéphanie Thomas, elle prend son courage à deux mains, ou son esprit torturé, ou un plan machiavélique, si je vous écoute, pourquoi elle va à la brigade des mineurs déposer plainte? En décrivant un comportement très ancien, mais très précis. Frottement, masturbation, tentative de fellation, introduction du sexe avec un bout de t-shirt ou de drap dans la bouche. Pourquoi vient-elle dire ça? Tout est faux. C'est une menteuse, c'est une grosse menteuse, où elle est complètement détraquée. Le juge d'instruction lui a officiellement demandé en confrontation, « Mademoiselle Thomas, vous avez conscience de la gravité des accusations que vous portez, est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous dites ?» Elle a dit « Oui, je suis sûr, je suis formel, elle l'a répété partout. Bon. » Okay. Elle sera interrogée et je l'interrogerai. Maintenant, vous, d'abord vous, c'est votre procès, on vous prépare. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette question lancinante et capitale? Pourquoi Stéphanie Thomas vous accuse si vous n'avez rien fait? Il a fait ça sous forme de jeu, donc c'est ouais. Un peu comme une complicité. D'accord. Il y a plusieurs reprises. Hein. Ouais. Mais c'est pour moi, c'est vrai qu'il a fait les choses en sorte que ça se passe comme ça dans ma tête. Bien sûr, comme si vous voulez que les choses se fassent naturellement. De toute façon, donc comme si on faisait quelque chose ensemble. Petite fille de 6 à 8 ans, de toute façon. Tout comme moi, c'est... Il n'a pas analysé ça comme un consentement, quoi qu'il en soit. Non, mais voilà, c'est ça, c'est que il a fait... Enfin, moi, j'ai interprété petite, comme je me suis pas rendu compte de quelque chose d'anormal, je l'ai interprété comme un jeu, et ouais. Quand j'ai compris que maman n'était pas au courant, comme il me disait pas de pas le dire, je me suis dit, c'est un secret, en fait. C'est un jeu secret, tous les deux. Donc, il faut pas le dire à maman, parce que c'est un secret, on a un secret tous les deux. Comme eux, ils doivent avoir des secrets, nous... Ouais. Et puis, tout le monde a ses secrets. Donc, moi aussi, j'ai un secret. Donc c'est moi, ça me choque, mais ça m'a pas frappé parce que c'est dans la logique où ça s'est passé en fait. Mais c'est scabreux, c'est vraiment scabreux. Il s'enfonce tout seul en fait. Hein. Enfin, moi je trouve qu'une personne extérieure en tout cas pourra réagir comme on a réagi, et un jury en tout cas pourrait être sensible. Ça fait donc 3 ans que vous êtes avec Josiane. Comment vous qualifiez votre vie d'aujourd'hui? Bah, je suis bien. Je suis... Vous êtes heureux? Oui, je suis heureux. Vous êtes amoureux? Très. Très amoureux?
parce qu'on a les mêmes bases, ben déjà, moi, j'ai ce métier-là, et puis elle aime ce métier-là, donc... Vous êtes des fous du boulot? Oui. Oui? Ah oui, oui. Est-ce que vous aimez faire du tabac PMU brasserie? Oui, bien sûr. Et vous aimez votre boulot? Ah oui, j'aime. Le contact à la clientèle, oui. Le service rapide, du café, du demi, vous aimez ça? Oui. Oui? Oui. Avez-vous la passion du café du demi? Depuis que je suis avec elle, oui. J'ai la passion, la passion de mon travail. Et ben voilà. Aujourd'hui, vous avez le sentiment de... d'avoir une vie stable? Ouais. Sûr? Ah oui. Vous avez un sentiment de sécurité? Complètement, oui. Sur le 16 décembre 2002, si vous partez en prison, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que votre couple va survivre à un éventuel emprisonnement? C'est une appréciation très personnelle, entre nous. Ça va être dur. Ça va être dur pour elle. Très dur. Très dur? On approche, Suro. Je sais, j'en parle. Si vous la laissez toute seule se préparer, c'est dingue. Non, je vais la préparer, parce que bon, moi, je suis prêt. Attendez, ça fait 40 ans que je me prends des coups, alors un coup de plus, un coup de moins. Elle, est-ce qu'elle est prête? Non, elle, non, non, elle n'est pas prête. Est-ce que vous allez l'aider? Oui, mais je l'aide, oui, j'essaye de l'aider, mais bon. Je vous demande une aide. Je vous demande, Suro, c'est très simple. Parlez. Oui, mais parlez. Communiquez. Je suis d'accord avec vous. Vous la prenez à part et vous lui dites, écoute, Josiane, je vais peut-être partir en prison. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on travaille de 6h moins le quart jusqu'à 11h le soir. On se croise, on a des complicités, les seuls moments on a des moments de rigolade et tout. Mais prendre, un quart d'heure ou même 10 minutes pour lui dire bah, écoute, il faut que tu sois forte, je suis en prison, terminé, il faut que je retourne au bar. On n'a pas le temps de parler de ça. Alors, Suro, c'est très intéressant ce que vous me dites, je vous le dis. C'est un problème. Vous avez un problème. Vous avez un nombre élevé de chances qu'il vous envoie en détention à l'issue de ce procès. Je vous le dis. En l'état du dossier, je ne vois pas comment j'inverse la tendance. Sauf s'il y avait une autre position. Dans votre dossier, où est-ce que vous en êtes? Parole de Suro contre parole de Stéphanie Thomas? Parole de Suro contre parole de Capron? Dans quel sens ça va pencher, à votre avis? Dans le sens de Capron et de Stéphanie Thomas? Putain. Ah ouais, parce qu'elle a un flic de son côté. Mais attendez, soyez franc avec moi. Combien je vais prendre? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas en fonction de ce que j'ai vu. Je ne peux pas vous dire. Le pire, c'est que je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Vous allez prendre du ferme. Il y a de très grandes chances que vous preniez du ferme. Je ne peux pas vous dire combien. Je ne sais pas. L'avocat général... Je n'ai jamais rien eu de ma vie. Et aujourd'hui, on me prend comme ça et on va me foutre dans une prison. Mais c'est... vous voulez me rendre méchant ou quoi? C'est bon. Là, je vous assure, c'est me rendre méchant. C'est bousiller ma vie, là, moi. 40 balais, boum, on bousille ma vie encore une nouvelle fois. J'ai pas arrêté de prendre des coups toute ma vie. Depuis que je suis gamin, je prends des coups. J'ai 40 ans aujourd'hui, je prends encore des coups. Ah non, moi, je ne peux pas évaluer la peine d'emprisonnement qui peut être prononcée dans la mesure où je ne sais pas comment l'avocat général va intégrer le fait que, selon lui, vous niez des faits contre une certaine évidence, alors que même vous, vous le savez au fond de vous. Mais elle regarde des émissions, elle regarde des films, elle a regardé des bouquins, elle peut se monter un film complet avec tout ça. Elle a pu se monter un film complet. Qu'est-ce qui nous plombe dans le dossier? C'est la précision de ses déclarations. C'est ça qui nous plombe. C'est ça qui nous plombe sur vous. Si on se place du côté des jurés, qu'est-ce qu'ils vont intégrer dans la sanction? Si ils estiment que vous êtes coupable, ils vont intégrer quoi? La lâcheté. Ils vont se dire, Suro, il n'a pas les couilles de reconnaître. C'est quoi ce mec-là? Il a déconné qu'une gamine, les faits sont très anciens, on est prêt, nous, à accepter que les faits sont anciens, qu'il a déconné à bloc, et il n'a même pas le courage de le reconnaître, de lui donner ce qu'elle veut, c'est-à-dire un aveu pour elle, pour qu'elle puisse se reconstruire. Qu'est-ce que va se dire le juré s'il estime que vous êtes coupable? Il va se dire, ce mec-là, il est lâche, alors on va lui charger la note, il va aller en taule pour réfléchir. Voilà ce qui va se passer sur vous, c'est ça le risque, le plus important. Ils vont se dire, cette gamine-là, pourquoi elle vient dire aujourd'hui, si tard, tout ça? C'est qu'il y a quelque chose de vrai. Suro, on est là au pied du mur, tous les deux. Il faut quand même que vous en preniez conscience. Il va se passer quelque chose. On va nous déclarer coupables. On va nous déclarer coupables, Suro. Et on va vous faire payer votre lâcheté. Vous voulez que je vous donne mon sentiment, là, tout sereinement? Vous êtes prêt à tout entendre? Je pense que Josiane vous piège, en quelque sorte.
Soyez prêts à entendre ça de ma part. Elle vous piège en quelque sorte. Pas dans le sens des aveux et d'avoir une autre conduite du dossier, pas du tout. Et je pense que psychologiquement, vous êtes totalement bloqué par la personnalité de Josiane, son rôle. Le fait que vous reconstruisiez avec elle, mais qu'elle soit la gérante, que vous arriviez avec vos valises et vos valises du passé, etc. Je pense que vous êtes totalement bloqué. Quand vous êtes sans Josiane tout seul, en garde à vue, il se passe quelque chose. C'est elle qui tient toute votre position depuis juin 2000, entre les mains. Je vous le dis, je le ressens comme ça. Vous n'avez pas cette impression? Non. Sérieusement? Elle ne tient pas, non. Attention, je ne dis pas qu'elle vous manipule ou qu'elle vous influence. Je vous dis simplement que vous n'êtes pas tout à fait libre de faire tout ce que vous voulez. Ah, oh, c'est pas vrai. Vous trompez. Je me trompe complètement? Oui, vous trompez complètement. Non. Vraiment? Non, je peux vous assurer que non. Salut. Je peux me rabattre un jour ou je vais attendre Bastille? Sureau. Demain, quand vous prenez le micro, la présidente vous pose la question. Monsieur Sureau, on vous écoute sur les faits. Prenez le micro. Imaginons, hypothèse. Prenez le micro et vous dites, écoutez, voilà. Je reconnais une partie des faits. Oui, c'est vrai. Je ne vous demande pas de réfléchir aux conséquences. Je vous demande juste. Par rapport à votre environnement, à Josiane, qu'est-ce qui se passe? Si c'est vous qui me dites vous-même que vous êtes coupable, si ce n'est pas la cour d'assises, est-ce qu'il y a un avenir avec elle? Non. Non? Donc il faut vous laisser condamner par la cour d'assises. Si c'est la cour d'assises qui vous condamne et que vous avez clamé votre innocence, Josiane dira que vous avez été victime d'un procès, qu'on vous a pas reconnu, mais il y a un avenir avec elle. C'est ça. Si vous reconnaissez les faits devant la cour d'assises, et moi, ce qui me permet de plaider la peine, plaider peut-être même pas d'emprisonnement, proposer une solution alternative à la détention. Si c'est vous-même qui dites je suis coupable, Josiane, et vous quitte. Oui. C'est sûr? Oui. Et donc vous êtes piégé? Oui. Vous vous rendez compte quand même que dans ces cas-là, c'est... C'est pas vous, c'est pas la cour d'assises, c'est Josiane qui vous met en taule. Vous avez fait le dessin, l'équation, c'est Josiane qui vous met en taule. Elle vous met une gigapression, attendez, Sureau, on va pas se cacher le petit doigt, c'est le dernier jour, moi je peux vous le dire. Hein. Vous l'avez compris à travers mes propos, je vous trahis pas aujourd'hui. Hein. J'ai bien compris dans quel état de stress vous êtes mis avec Josiane, mais c'est son caractère. Je la critique pas, je constate. Je constate qu'elle vous met une gigapression. Hein. Et le fax de rétractation, c'est elle qui l'écrit. Hein. Alors, sous votre dictée, d'accord, mais c'est elle. Hein. Elle porte à bout de bras votre négation des faits. Le banc de la souffrance, le banc de la défense, ici. Je suis là. Soit vous êtes à mes côtés, soit vous êtes ici. L'espace est très réduit. Ici, 5 jurés, un assesseur, le président, un assesseur, 4 jurés. Vous imaginez 12 personnes qui vous regardent, 12 perdus. L'avocat général, ici, vous savez pas ce qu'il va demander contre vous. C'est l'audience qui va le conduire à prendre des réquisitions. Vous avez ici, et c'est comme ça, elle est victime, mais c'est l'adversaire. Et moi, je suis là. Vous jouez votre avenir, vous les regardez, et vous oubliez totalement la présence des gens de votre famille, vos témoins, les témoins adverses, les personnes de votre passé, vous les oubliez. Vous battez pour l'avenir, c'est devant que ça se joue. D'accord? Les gens qui vous entourent, que ceux qui vont entendre ce qui va être dit, les critiques, les reproches, peut-être des aveux, ou une ligne de défense, et surtout une éventuelle condamnation, ils sont derrière cette barre, arrière. En plastique. Est-ce que ça vous fait quelque chose de voir cette salle? Non, ça m'impressionne pas. Bon. Eh bien, c'est bien.
aller, je vais aller saluer la présidente et les différents intervenants. Meer informatie over de themaweek Geheim Geweld, nuttige adressen en het volledige programmaoverzicht vindt u op teletekstpagina 333 of op www.geheimgeweld.nl. Wilt u reageren en meepraten over Geheim Geweld, dan kan dat morgen in het radioprogramma Dubbel O. Heeft u naar aanleiding van dit programma behoefte om met iemand te praten, dan kunt u bellen met Correlatie op werkdagen van 9 uur tot 6 uur. Telefoon 0900 1450.